Ten rounds of boxing for the IBA Intercontinental Bantamweight Championship. Présentant tout premièrement dans le coin bleu, introducing first in the blue corner, 52.100 kilogrammes à la pesée, 52.100 kilograms at the scale. Fiche professionnelle, 19 victoires en 26 sorties avec 9 victoires par mise hors de combat. In 2022, he challenged for the world title. En 2022, il est challenger. Dans cette présentation, John, Loïc Tajan est certes concentré, mais il est capable aussi de nous sourire à façon de joker. Et je pense qu'il est déterminé à faire le spectacle. Oui. Long segment quand même, hein. Le mexicain. Attention à ce que je vous l'ai dit, qui a déjà fait quelques grosses batailles. Avec un morphologie typiquement mexicaine. Ouais, trapu, ouais. Malgré cette catégorie poids coq. Pas forcément taillé, pas sec. 7 victoires en 8 sorties avec 5 victoires par mise hors combat. Pro record reads as follows, an excellent one. 7 wins in 8 hours as a professional with 5 big wins coming by way of knockout. En 2020 et 2021, il devient champion de France. Il est le poids coq numéro 1 en Europe. Ses coachs, Jean-Michel Vincent. Ce soir, il revient à la maison au Zénith de Nantes du club Villemandeur dans le Loiret, introducing the current reigning defending IBA Intercontinental Bantamweight Champion, the Joker, Loïc Tajan. Loïc Tajan, superbe présentation, on l'a dit, lui qui a été plusieurs fois champion de France, trois fois exactement, qui a remporté cette ceinture IBA intercontinentale qui est en jeu ce soir. C'était face à Eli Conqui. Rappelons que sa seule défaite, c'était justement face à l'Olympien Eli Conqui, à la décision. Un combat qui aurait pu aller d'ailleurs à l'époque ici même à Nantes, d'un côté comme de l'autre. Il se trouve que Eli Conqui s'était imposé. Il était peut-être allé un peu vite pour donner la revanche à Loïc Tajan, et Loïc Tajan en avait tout de suite profité. Il avait réalisé peut-être l'un des KO de l'année en France, ouais, à la deuxième reprise. Un combat, un KO qui avait surpris tout le monde parce que ces deux hommes s'étaient rencontrés, et puis surtout on connaît les qualités de Eli Conqui, hein. Et vous savez, Loïc fait partie de ces boxeurs qu'on côtoyait un peu l'équipe de France et qu'on pas été numéro 1 et qu'on pas été aux Jeux Olympiques par exemple. David Papo est un petit peu dans ce profil-là aussi, hein, qu'on découvrira tout à l'heure. Tous ces boxeurs qu'on fait des sorties, qu'on représente la France à travers le monde et qu'on pas été numéro 1 à un moment dans leur carrière, ont été champions de France amateurs et qui tout doucement après, en passant dans les rangs professionnels, ont gravi les échelons sans avoir pu profiter justement de cet élan olympique qu'ont pu avoir certains boxeurs, tels que Eli Conqui par exemple. Allez, on est parti pour ce combat, ceinture IBA intercontinentale en jeu. Loïc Tajan, short rouge façon joker, face au Mexicain Garneros, short bleu. Voilà, alors Loïc est un gaucher, avec le pied droit devant, attention, se coucher, un peu large. C'est un garçon qui accepte le combat, hein, Loïc Tajan, parce qu'il sait qu'il a de la puissance. Le Mexicain qui tâte du terrain. Le Mexicain qui tâte du terrain un peu pour voir ce que ça donne. Ça peut aller vite, hein. faut pas baisser les yeux. Hein. Faut faire attention, il a une petite accélération en début de combat comme ça pour voir ce que ça donne. La façon de laquelle Loïc va se comporter. Beaucoup d'expérience, hein, chez ces Mexicains. Ah, c'est pas mal ce travail au corps de Loïc Tajan avec ce crochet droit. Faut rester vigilant. Oh, attention, ça peut aller vite, hein. Et il encaisse, hein, parce qu'on sait que Loïc Tajan, il a de la dynamite dans les poings. Et il a pris deux crochets là, le Mexicain. Il se protège Loïc aussi. Parce qu'il pense à ce qu'il donne. Ouais, mais il se sent bien là, Loïc Tajan, pour accélérer et attaquer comme ça. Il se sent confiant. Attention effectivement à cet excès de confiance. Oh, c'est ça. Et bien voilà, avec le crochet droit qui envoie Loïc Tajan au tapis. Il en rigole, mais attention, cet excès de confiance dont on parlait à l'instant. Je disais, il pense à ce qu'il va donner lui, mais il pense pas. En face, c'est un boxeur d'expérience qui attend. Et d'ailleurs, dans son coin, on lui dit, hein, Garneros, patience, tranquille, ne t'emporte pas. Et il y retourne, Garneros, travaille au corps. Oh là là, ça frappe, John. Regardez la configuration. Lui qui est sûr de lui, il pense qu'il va toucher, il va tomber. Alors qu'à ce niveau-là, les mecs, les boxeurs ne tombent plus aussi facilement. Ouais, les mecs ne tombent plus, vous pouvez le dire, John. C'est exactement ça. Les gars, ils tombent plus aussi facilement. Faut faire attention. Faut frapper, certes, mais faut se protéger. Allez. Jean.
pas d'excès de confiance. C'est ça. Le Mexicain intelligemment, il commence au corps et finit à la face. Les entrées, il va vouloir réussir. Et Loïc, il n'est pas bien. Et Loïc, regardez son visage. Il faut faire attention. Ah, il veut avancer la body. Attention, il faut lever les mains, Loïc. Excès de confiance de Loïc Tajan, John, je pense. C'est ça. Il faut qu'il se remette tout de suite la tête à l'endroit. Allez, il faut boxer. Allez, il faut se remettre un peu sur les jambes là. Boxer. Allez, il faut laisser passer ce round, boxer. Il faut faire attention. Il va prendre du coup. Il faut retourner dans le coin, prendre un peu d'eau sur le visage. Il faut revenir. Allez, pas aller à la guerre. Attention. Il prend encore un crochet droit, le Tajan. Trop près, trop près. Allez, il faut prendre un peu de distance. Il faut lever les mains, attention à cette droite qui va arriver. Et il boxe bien ce Mexicain, oui. John Garneros. Hein. Il lui dit tu me fais pas mal, bon bloc avec les gants, petite esquive, crochet droit, crochet de gauche. Loïc, attention. Oh, il est bien là, Garneros, il accélère. Allez, pour cette grande reprise. Allez, ça se termine. Et il prend grand crochet gauche et un uppercut droit, Tajan. Et Garneros lui dit viens, attention, on y va. Dans cette bagarre. Oh, énorme combat. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce premier round, John? Attention, Loïc est pas bien. Lui ça va. Lève les mains, tu prends trop de coups. Ouais, ouais. Tu prends trop de coups, Loïc. Ouais, mais tu prends trop de coups. Il n'y aura pas, hein. Boxe. Boxe. Loïc, essaye d'éviter les coups. Boxe, tu veux trop te battre avec. Tranquille, Loïc. Allez, cette deuxième reprise, elle va être extrêmement intéressante à observer dès le départ, John. Est-ce que Loïc Tajan va reprendre un peu de distance, calmer et là, le Mexicain va en profiter tout de suite. Il ne veut pas le laisser récupérer. C'est ce qu'on a dit de moi en point. Allez, il faut que Loïc se mette à boxer. Il ne faut pas jouer les frappeurs. Il y a une petite gauche qui est sèche, c'est vrai, qui fait mal. Il faut boxer. Allez, pour venir dans le combat. C'est bien, garde haute. C'est ce qui est le plus important. Levez les mains. C'est bien, sur les jambes. C'est pas si mal ça de la part de Loïc Tajan. Il faut régler ce problème de distance déjà. Voilà, il est beaucoup mieux à cette distance-là. Voilà, là, ça c'est bien. Il travaille au corps, voilà. Il monte à la face. Et on n'en fait pas plus. Et il repart, voilà, ça c'est mieux, John. Contrôler après avec le bras avant. Allez, il y a un combat à gagner. Attention choc de tête. Attention, c'est contre là. Parce que le Mexicain attend qu'il travaille et lui il travaille derrière. Oh, l'uppercut de Garneros. Peut-être jeté, dans Loïc. Ne pas s'emplâtrer dans le crochet du Mexicain. Allez, faut bouger la tête. Oh là là, il est pas bien, le Tajan, il en prend beaucoup, il en prend trop. Et le Mexicain accélère, il y a de la vitesse chez lui. Allez. Et ça marche pas. Faut pas faire ça justement face à ce Mexicain. Faut pas rester en face. Oui, il a fait mal, mais faut boxer. Attention en contre. Allez, façon Joker, il est un peu foufou, hein, John, oui, le Tajan. Je sais. Je sais. Oh, attention, c'est droit là. Droit, ce cross qui est passé au-dessus de l'épaule. Faut boxer. Allez, faut pas tomber dans l'épreuve de force. Et Garneros qui attaque avec sa droite. C'est bien ça de la part de Loïc Tajan. C'est bien. Et il recule. Voilà. Il faut qu'il frappe et qu'il reprenne de la distance. Hein. Rentrer, pas, ressortir. Faut pas rester en face comme ça. Il faut pas qu'il accepte ce duel là. Parce que lorsqu'il est en face. Très malin, Mexicain, attention. Oui, qu'est-ce qu'il frappe fort, le Mexicain. Il frappe lourd, dur. C'est pas mal ça. Ouais, ça c'est bien. Il a bien touché au corps. Attention en contre. Et il chambre un peu. Ouais, à droite, et oui. Sur la tête qui est partie en arrière. Faut pas se laisser aller. Faut pas rester comme et ça, il enchaîne. Parce que toutes ces séries, il les prend plusieurs fois. Oh, Garnero, c'est bien. Quel c'est pas mal celui-là, John. Hein. Ouais, les deux d'ailleurs. Faut faire attention. Loïc est moins frais. Et là, il envoie des coups dans le vide. Ces coups dans le vide fatigue. Allez, il faut faire preuve de toute son expérience. Et cette garde, elle n'est pas bien levée, là, parce qu'il prend les coups quand même à travers la garde. Oh, et voilà.
crochet gauche, eh oui. Il s'est fait avoir. Il était peu visible. Faut lever les mains. Il n'a pas forcément récupéré. Faut faire attention. Allez. Allez, faut qu'il se remette dans. Le round est en train de se terminer. Il aura pas forcément dans récupéré. Combat. Il est allez. Pas bien, le il est pas agent. Bien. Allez. Allez, relevez les mains. Faut les mains. Sauvé et par le gong. Il est presque sauvé par le gong, clairement, John. Hein. Deux fois envoyé au tapis en deux reprises. Allez, faut boxer. Aïe, 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 c'est dur parce que clairement, on sent un vrai excès de confiance chez le Vital. Bien sûr. Allez, faut venir aux fondamentaux là, à la base. Donc ça fait vraiment prendre de la distance. Il faut rester de chercher le coup dur. Non, non. Regarde-moi. Voilà. Et dans son coin, vous avez entendu Jean-Michel Vincent le dire. Hein. Si jamais ça recommence, on arrête, on va se protéger. Et on lui dit, ne cherche pas à te battre avec lui, monte tes mains. Regardez à la loupe de Manu Rusty. Et là, c'est un espèce de. Parce que tu mets ta tête en avant, mon gamin. Boum, de c'est ce qu'il a surpris. Protège-toi sur les sorties, Loïc. Protégé. Avec tout le poids du corps. Et on lui répète à Loïc Tajan, ne cherche pas à le descendre. Boxe-le, prends ton temps. Exactement, prends la distance. Et surtout, pas rester en face. Allez. Eh oui, forcément. Ah, il est parmi, bien sûr. Il n'a pas récupéré. Et il y va en et série. Ça, ah, voilà, peut-être enfin le crochet gauche là, de Loïc Tajan qui est rentré. Bon, attention, super kick, ouais, il a fait mal. C'est pas bon, arrêtez maintenant. Il le finit dans les cordes, c'est terminé. C'est terminé, victoire avant la limite de la part de Garneros. Incroyable combat, victoire à la troisième reprise. Non, c'est vrai qu'il n'est pas content, Loïc Tajan. Il a été protégé par l'arbitre allemand, monsieur Eichmann. Clairement, il a été protégé. Superbe performance, John, il faut le dire, de Rosendo Hugo Garneros. Eh oui. Qui est venu ici en territoire ennemi, j'ai envie de dire, et qui s'est imposé. Quel dommage. Pourquoi Loïc n'a pas boxé? Il a voulu chercher le coup dur. Stop. Ah, ça a été un petit peu la joie et l'engouement qu'il pouvait y avoir dans cette salle du Zénith de Nantes. Mais c'est vrai qu'il faut le dire, Loïc Tajan a présumé de ses forces, John. Bah, c'est le problème des boxeurs qui frappent un peu. Et avec des victoires avant la limite, on a toujours l'impression qu'on frappe plus fort. Et quand on est face à un boxeur, on se dit, c'est pas grave, il peut frapper, mais quand la mienne va toucher, elle va faire tomber. Et c'est pas le cas face à des boxeurs qui ont un peu d'expérience, qui ont un peu de menton. C'est jamais évident, c'est pas facile. C'est dommage. On l'avait dit, d'entrée. Le Guerrero était un boxeur d'expérience. Incroyable, on est un peu bouche bée, John. On a du mal à reprendre notre souffle, à savoir véritablement ce qu'il s'est passé. Ouais, ça a été trop rapide. Officiel, première minute du troisième round. Ah, ça peut mériter une revanche, ça. Of the third round pour votre vainqueur et nouveau champion de la IBA Intercontinental. J'ai les bandes des new IBA Intercontinental Bantamweight.
champion, Hugo Verdugo Ranero. Victoire par KO à la troisième reprise de Rosendo Hugo Garneros, qui a su garder son calme face au coup de marteau de Loïc Tajan. Ouais, il a su tenir, hein, parce qu'il a pris des crochets quand même de plein fouet. Il a été ébranlé, mais il a fait face. Le Mexicain, on connaît la valeur des boxeurs mexicains. En tout cas, ça a été un combat qui a commencé à tambour battant tendu. Et on sentait que le danger pouvait venir de part et d'autre. Et malheureusement, le danger est venu du côté mexicain.